الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين. شيف ريزيسور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Chers membres de notre grande communauté, de notre famille, la porte des secrets du Coran, Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes très contents de nous retrouver pour partager ensemble, comme nous l'avons l'habitude de le faire, un nouveau secret. Un secret vraiment de la solat bénie, l'une des meilleures solat à la Nabi, l'une des meilleures solat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la Salat al-Fatih. Alors, nous avons parlé plein de fois ici de la Salat al-Fatih. La Salat al-Fatih, vraiment, qui regorge d'innombrables secrets, qui regorge d'innombrables, de tellement de secrets que l'on ne pouvait en parler dessus. Nous pourrions faire des livres sur la Salat al-Fatih. Comme le disait le Kutub al-Maktoum, Cheikh Ahmad Tijani, radiallahu ta'ala anhu, il disait que la Salat al-Fatih est comme la mer. Et les secrets que nous connaissons de la Salat al-Fatih est comme une goutte d'eau que nous avons enlevée dans la mer. Donc regardez, voilà, nous avons parlé de ça ici dans l'une de nos vidéos sur la Salat al-Fatih. Alors ce soir, nous venons encore avec un secret de la Salat al-Fatih. Je vous assure que celui qui va pratiquer ce secret-là n'aura rien à craindre côté argent. Même s'il ne va pas avoir des millions, même s'il ne va pas avoir des mille, même s'il ne va pas avoir 100 000 francs, 200 000 francs, mais en tout cas, sa poche ne sera pas vide d'argent. Il aura constamment de l'argent pour ses petits besoins, Inch'Allah. Alhamdulillah, ce secret-là, vraiment, il est testé vraiment par plein de personnes et il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Ce secret est très rapide, répond très rapidement. Et vous allez voir que dès les deux ou troisième jour de pratique, vous allez voir que ce secret-là va commencer à vous répondre de la plus bonne des manières, Inch'Allah. Alors, avant de commencer le secret, nous souhaitons vraiment un bon mois de Maulid à tout un chacun. Un mois où nous devons multiplier la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un mois béni. Rabbil Awal, qui est un mois très 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 béni, où nous avons eu la naissance de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons multiplier les salat sur lui, Inch'Allah. Alors, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, comment nous pratiquons le secret d'aujourd'hui? Alors, il y a des petites écritures à faire d'abord avant de pratiquer le secret. Le secret, vous allez le pratiquer un dimanche ou un lundi. Voilà, donc les deux jours, vous soyez un jour propice, vous commencez le secret là-bas. Alors, vous allez écrire la Salat al-Fatih 13 fois. D'abord, vous allez l'écrire 12 fois. Maintenant, vous allez écrire une 13e fois avec tous les mimes de la Salat al-Fatih ouverts. Et à l'intérieur, vous mettez votre besoin. À l'intérieur de tous les mimes de la Salat al-Fatih, à la 13e écriture, vous mettez votre besoin là-dedans et vous refermez. La Salat al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughlika wal-khatimi lima sabaka nasr al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustakim wa ala alihi haqqa qadrihi wa migdari razim. Après avoir fini ça, vous allez laver les écritures avec du lait. Je dis bien laver les écritures avec du lait. Ensuite, vous allez boire ce nasi-là à base de lait. Vous allez le boire une seule fois.
Et la nuit maintenant, vous allez vous lever, faire 2 rakas au choix. Et maintenant, venir commencer le zikr qui va s'afficher sur vos écrans actuellement. Vous allez d'abord faire istighfar, astaghfirullah, 100 fois. Ensuite, vous allez faire la solat qui est là. La solat ihlati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kad daqati ilati adrikni ya Rasulallah. Vous allez zikrer ça 100 fois. Et ensuite, vous venez maintenant la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 fois également. Et ensuite, vous allez venir maintenant faire le zikr de la Salat al-Fatih. Alors, comment vous allez faire le zikr de la Salat al-Fatih? La Salat al-Fatih, après avoir fini de faire la Salat al-Fatih, vous allez zikrer la Salat al-Fatih 500 fois. 500 fois en une assise, mais de manière vraiment concentrée. Il faut que, en ce moment du zikr de la Salat al-Fatih, vous soyez vraiment libéré de tout. Vous soyez concentré, vous soyez focalisé sur ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous voyez? Et c'est grâce à cette concentration-là, à cette manière de zikrer-là, que vous allez atteindre votre objectif. Je vous assure, vous devez zikrer la Salat al-Fatih doucement, doucement, doucement. De la manière que c'est écrit, vous devez lire ça comme ça, doucement, un à un, jusqu'à atteindre les 500. On ne zikre pas. Non, doucement. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugli. Jusqu'à 500 fois. Et je vous assure que si vous zikrez de cette manière, vous allez avoir plus vite les résultats que quelqu'un qui zikre de façon rapide. Et nous vous prions toujours de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les vidéos pour que le contenu soit vu par beaucoup de musulmans et qu'ils puissent pratiquer pour subvenir à leurs besoins, Inch'Allah. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons très bientôt, très prochainement pour un nouveau secret. Sur ce, portez-vous bien. Bon mois de Maulid chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.